régionale. L'engagement communautaire est que cette piste également nous permet également de rallier le village sans aucune difficulté. Parce que depuis tant d'années également, nous avons essayé également de réaliser, mais jusque-là, on ne peut pas. On a fait également des demandes au niveau des autorités étatiques. Et l'importance aussi de cette piste également, juste pour l'éducation, parce qu'autant on sortait également du village pour venir étudier à Essil et repartir. Donc présentement, on ne peut plus. Nous remercions aussi à l'international, le joueur international Stéphane Badji, qui nous a aidés, n'est-ce pas, dans la réalisation également de ce projet. Aujourd'hui, il nous a envoyé également pas mal également d'éléments qui sont là en train de travailler avec nous. Nous avons tant voulu également lancer l'appel à tous les autorités étatiques de nous venir en aide. Parce que sinon, également, cette population risque également de se déplacer, aller habiter dans Port, Essil et autres. Et nous, également, ceux qui restent présentement, veulent également continuer à y habiter. Donc il faut que l'État nous vienne en aide, comme il le fait aussi dans les autres également, localités. Alors, les gens se sont cotisés. Nous avons aussi demandé également les hommes de bonne volonté qui sont venus également nous donner également quelques sous afin également de pouvoir réaliser cela. Ce n'est pas des cotisations, ce n'est pas également des soutiens, des hommes de bonne volonté que nous avons pu également réaliser cela. Donc la préservation de cette île de Matinière vous tient à cœur? Oui, franchement, ça nous tient à cœur. C'est, sinon, également, ce village va disparaître également de la carte du royaume, ce qui n'est pas normal. Nous sommes un village comme dans tous les autres villages du royaume, donc nous devons exister. Si également il y a des gens qui ont demandé, qui ont voulu et qui veulent continuer à y rester, vraiment il faut que l'État nous vienne en aide. Méridional.